Polyphonie Notes. Coucou tout le monde. On espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo tous les deux. Hein? Et Thibaut, il voulait en faire une depuis longtemps. Et il voulait vous montrer comment on fait le grimacheque. Et c'est quoi ça, le grimacheque? En fait, c'est... Si j'ai bien compris l'histoire de base. Vas-y, je t'écoute. Que en fait, pour le grimace chèque, en fait, de base, il y avait un anniversaire qui s'est déroulé. Que Grimace y a fait son retour. Alors, Grimace, c'est la. C'est comme la mascotte. Donc, comme une grosse peluche violette. Comme nous en France, on avait Ronald McDonald, donc c'est la mascotte américaine de McDonald's. Donc voilà. Donc c'était l'anniversaire de Grimace. Oui, ils ont inventé le Grimace Shake. Et donc c'est un milkshake. Donc on vous montre Grimace. Magnifique. Là maintenant, on vous montre le Grimace Shake. Et donc les Américains, j'ai été chercher, les Américains faisaient des trends sur YouTube et TikTok qui faisaient que, en fin de compte, et ben, en buvant ça, ils mouraient avec des musiques débiles, voilà. Et puis, avec le truc qui dégoulinait aux côtés d'eux, enfin voilà, ils s'étaient fait une trend comme ça et... Donc, bon, on va pas faire les cons, nous, on va faire juste le grimace shake. On va pas mourir. C'est bien marqué, vous ne mourrez pas. Après, ça, c'est juste une traîne. Là, c'était juste voilà. Pour rire. Et donc, pour faire plaisir à Thibaut, on va essayer de le faire le plus réel possible. Donc, on a tous les ingrédients, juste on ne sait pas combien on doit mettre de chaque ingrédient. Ils ont, bah, comme McDo, tout le temps, on ne sait jamais les équivalents. Donc, on va essayer de se débrouiller. T'es ok? Ouais. Donc, on a sorti le robot ménager avec le blender. Parce que Thibaut voulait le faire avec Monsieur Cuisine, mais à l'intérieur, étant une palme en plastique, on a préféré prendre celle en métal. Donc, là, ça vous va vous paraître beaucoup les ingrédients, mais ça sera des grimace shake pour... Nous 5. Bah t'as oublié quelqu'un. Ah ouais. Nous 6. Voilà. Donc Thibaut, bah, il va gérer les ingrédients. Je le laisse gérer. Moi je fais juste de la magie pour faire apparaître les ingrédients. Allez, on y va, c'est parti. Tu te lèves, tu peux mettre ton blender ouvert. Et puis tu me dis quand t'as besoin de quelque chose, je le fais apparaître. Du lait. On a deux framboises aussi. Deux framboises. Alors tu peux prendre quelle sorte de framboises? Des fraîches ou des congelées? Parce qu'on n'a pas trouvé de fraîches, c'est pas la saison. Ah bah il y a le poing. Les framboises. Tu te crois où? Il va falloir faire cette grimace shake. Descends, petit chien. Hop, je le mets là parce que c'est mon... D'accord. Ça prend plus de place. Ensuite. De la chantilly. De la chantilly. Ping. Hop. Et des myrtilles aussi. Des myrtilles. Est-ce que j'ai ça? Non, mon panier. Oui. De la glace à la vanille. Et tu connais le truc pour prendre la glace, les boules de glace? Ah oui, donc c'est une boule à glace. La boule de glace de la ménagère. Et ensuite, tu vas mettre ça dans quoi? Sur la table et on lèche? Non, par ça. Oui, mais alors on boit tous dedans.
Non, on va faire dans un verre quand même. Ah, donc un verre. Et une paille. Une paille. Donc voilà, bon, là, il y a ce qu'il lui faut apparemment. Donc allez, maintenant, on va l'écouter. Alors, va tenter. Je pense qu'au début, parce que je ne sais pas vraiment ce qu'il faut faire, je pense que peut-être on aura besoin des myrtilles au début. Allez, on tente les myrtilles. Bon, comme on est 6, c'est quoi 250 grammes? Ah oh. Bon, bah oui, il va être content. Il y a une myrtille. On va faire un click and pause. On arrive, on va aller laver myrtilles. Attention, c'est parti. Ding. Apparition. Et voilà. Myrtilles. Bien lavé. Ça sera meilleur. Je vais... Bon, vas-y, je vais tenir l'assiette si tu veux. Il veut pas d'aide, il veut tout faire tout seul. Ça va, comme ça, ça va. Trop fort. Allez, vas-y. Donc, on va mettre les myrtilles. Je peux carrément vider. Hein. Faut tout mettre. Bah oui, non, bah non, t'as raison. Mais la moitié, on va mettre la moitié. Ah, c'est dur. Il y a moyen de faire trois grimachettes à l'intérieur, je pense. Je ne sais pas trop. On va tenter. En vrai, je peux tout mettre là. Non, mais pas tout, parce qu'il y a 6 grimachettes à faire. Stop. Okay. Tu les gardes les autres pour plus tard. Donc, je referme. Voilà, ça, on fera hors caméra. On essaye déjà d'en faire un correct. Mmh. Allez. Ensuite, qu'est-ce que tu vas nous mettre? Framboises. Des framboises. Ouh, le paquet est froid. Ah là là, ta-da-da, ta-da-da. La main. Ramène le ciseau, s'il te plaît. Merci. Voilà, le ciseau. Vous avez vu, c'est une maison un peu à la Mercredi Adam. C'est un peu bizarre. Coupe pas ta main avec. Attends, je t'aide. Ça va mieux quand on tire. Super. Ah, tu peux l'ouvrir un peu plus. Là, tu vas galérer. Ils sont belles, les framboises. Ouais. T'as bien choisi ton paquet. Parce que Thibaut a fait ses courses, en plus. J'aurais dû vous emmener au magasin. Ouais. Bah, c'est pas à moi que tu dois montrer. Montre-leur tes belles framboises congelées. Waouh. Allez, c'est parti. Donc là, ben, tu mets à peu près pareil, je pense, de framboises. Aïe. Bah, tant pis, hein, le chien va se régaler. Ben, il tourne autour de nous. Hein. Donc. Tu me dis ça, toi. Ouais. Encore un. Non, ben, après, ça va être plus. Ça sera plus violet, hein. Après, Oh, tes doigts, ils sont tout rouges. Oh, pinaise. Il y a vis à côté. Tu peux me laver un peu la main? Ou les... Non. Donc, maintenant que nous avons autant de framboises que de myrtilles, tu me proposes... La glace. La glace. Donc, d'après le grand, donc compte, hein, que vous voyez jamais ou très peu, et on fait trois machins, on va mettre... 3 boules plus une, allez. Donc 4. Voilà, une boule chacun plus une partage. Et si tu fais des demi-boules, t'en mets 5. Hein, parce que là, c'est de l'arnaque. Ouais, j'ai pas rien, je vais mettre. Bah oui, mais je t'avais dit, prends mon fils un verre d'eau chaude. Mais mon petit garçon n'écoute pas à maman. Attends, ta glace, je vais te la mettre. Ouh, là, ça coule. J'en étais à 3 là. 2. Non, 3, arrêtez. Oh.
sûr, ça va marcher. Et là, on va essayer de tirer le reste. Ouh. Vous inquiétez pas, on a lavé nos mains avant de manger. Voilà. Bon, on a mis les boules de glace. Ensuite, qu'est-ce que tu as encore à mettre? Bon, ta glace, je la laisse ici en attendant. Le lait. Donc, d'après Quentin, il faut recouvrir tout. Voilà, de lait. La blague. Ouh, la bouteille était vide, maman. Mais elle est lourde. Allez, c'est parti. Ouais, c'est bon, hein, parce que tu vas recouvrir jusqu'en haut, sinon. La glace, contre, elle flotte. Tu peux le fermer. Là, je tiens. Ouais, vas-y, ferme. Alors, ensuite, là, on est bon? Je pense. Donc, je vais le clipper, d'accord? Oups. J'ai ma chaise, elle se faisait la malle. Donc là, tu peux installer déjà le couvercle. Donc, en mettant ceci du côté de l'entrée. Donc, maintenant qu'on a clippé, tu connais le robot. Donc, je te laisse faire. Il faut cliquer sur le bouton là. Comme d'habitude. Parce que comme là, écoute, d'habitude, quand il n'y a rien de clippé, c'est le robot qui prend ici. Si je clippe un truc là, eh ben, on va faire soit des pâtes, soit de la viande. Et si je clippe là, ben là tu vas te servir de ton blender. Donc vas-y, tiens bien et c'est parti. Ça prend un peu la couleur. Ah, vous avez bien mesuré. Je pense. Alors combien de temps on peut faire? Je sais pas. Quand même, juste une question, ça vous a peu. Il ne faut plus qu'il y ait des brumeaux. Quel brumeaux? Grumeaux. Ah, il ne faut plus qu'il y ait de grumeaux. Mais je dois aller chez ORL, là, ça va pas, hein. Bah, ça peut ça. J'allais dire mon robot, il dit des gros mots. Non, il ne faut plus qu'il y ait de grumeaux, c'est-à-dire de petits morceaux, comme de myrtilles, de... Voilà, donc tu peux le faire tourner un de plus. Après, pas sûr qu'on aura tout, parce que bien sûr, les framboises et les myrtilles, bah, ça laisse toujours des petites. Je ne sais plus comment on dit là. C'est même pas des choses, c'est des petits grains. Des petits grains, ouais. Comme les murs. Bon, bah, je pense que c'est pas mal. Allez, vas-y, si tu veux. Alors, ça te plaît? Bon, je te l'enlève, je te le rends. Voici votre breuvage. Donc, on va bouger un peu tout ça pour faire un beau verre pour montrer à tout le monde. Parce que sinon, là, l'idéal, c'est de bien voir ton résultat. Tu peux bouger tes myrtilles aussi. Comme ça, après, tu décores et tout. Hop, nickel. Bonjour. Futur cuisinier. Je vais faire de la cuisine, moi. Allez, vas-y. Ah, ouais, pas mal. Hein. On voit l'épaisseur. Wow. C'est bien. Ouais, c'est ça. Ça fait à peu près 3, voire 4. 3, voire 4 avec ce qu'il y a mis, là. Ah. Ensuite, comment tu fais? Tu veux que je tienne? Comme ça, tu essayes de mettre le truc tout autour? Oh. Allez, vas-y, gars. Prends la chantilly. Comme ça, ta paille, on essaye qu'elle reste bien droite, comme dans les bougies, là.
Bon, là, ça se mange. Ah, oh, maman, elle est pas gauchère. Oh. Ah, maintenant, faut casser en plus. Oui, là, j'ai peur. Il y a besoin de son assistante. Non, non, mais laisse-le finir. Bon, voulez-vous un peu de chantilly? Je pense que ça ira. Tu penses que ça ira, mais moi je te dis. Bon, ça va, ça tient. Hop là, je prends le reste. Le petit gourmand. On les reconnaît ceux-là. Et donc, qu'est-ce que tu as fait finir par quoi maintenant? Donc là, c'est des mélanges pour les pâtisseries, pour décorer sur les gâteaux ou les glaces ou quoi. Et là, tu vas choisir quel Ah bah montre alors ce que tu as choisi. C'est les vermicelles qui choisis. Allez, vas-y. Mets dans ta main peut-être, comme ça tu peux saupoudrer. Voilà. Essaye de saupoudrer déjà. Oh. Wow, c'est joli. Multicolore là. Tout le monde. Magnifique. Bon, magnifique, mon chéri. Allez, ben montre-leur bien de près parce que là, je suis pas sûre qu'il voit correctement. Et donc, il va finir ses autres petits verres. Plus bas, ouais. Waouh. Tire le verre-toi un peu. Hop. Waouh. Alors, essaye de boire pour goûter et dis-nous ce que t'en penses. C'est bon. C'est bon. Bon, bah va me chercher une cuillère. Je vais goûter juste une cuillère dedans parce que je vais pas boire dans ton verre pour pas te rendre malade. Donc là même pas, ça se fait pas. Hein. Faut que je garde mon enfant en forme. Tiens. Oh merci. On va faire comme dans Ici tout commence. Alors mon cher Tessier, comment allez-vous? Nous goûtons. Oui ça va, c'est bon. En plus c'est pas sucré. Franchement, ce qui est bien c'est que si, bah après si vous voulez que ça soit sucré, il faudrait rajouter du sucre. Là franchement c'est nickel. Moi c'est bon pour la santé quand même. Oui, parce que bon, certes il y a des choses pas bonnes pour la santé comme la glace, la chantilly. Mais sans le sucre rajouté, ça va, c'est correct. Donc eh ben, tu es fière de ton travail? Tu as terminé tes grimaçons pour ton frère, ta sœur et tout? Oui. Bah alors, on vous dit à bientôt les fourminottes. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. On vous fait de gros bisous et on vous dit. Mais vous dit quoi? À bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye.